Bonjour à tous. Je voudrais me mettre en genoux pour demander pardon à la toi. Pardon à la RDI. Nous, on a appris que Annie et Yves Emma ont été suspendus. Alors que nous qui connaissons le réseau de la RDI, qui parle de suspension, parle de renvoi. Pardonnez. Vous, les directeurs, vous avez un peu votre salaire déjà conséquent. Vous pouvez nourrir vos femmes et vos enfants. Les enfants, là, c'est les enfants. Ils ont du talent. Je m'en mêle parce qu'on me dit que c'est à cause de l'émission qu'ils ont fait chez moi à Boaké ici. Mais attends. Soyons sérieux. Avant l'émission, moi j'étais dans un maquis chez ma petite soeur Munira. C'est comme ça, Moulou a lieu avec le gang, parce que moi c'est un gang maintenant, le gang de la toile. Quand ils sont venus, je dis, il y a quoi? Ils disent que c'est l'heure de l'émission. Écoutez, hein, faut pas que quelqu'un va perdre son travail à cause de moi. Les choses de Dieu ne sont pas sérieux, diable. C'est là qu'ils sortent devant moi. C'est l'heure de l'émission. Mais tu ne m'as même pas averti, ni. Ça fait 2 jours que vous êtes bien reçu. Tu viens, tu dis c'est l'heure de l'émission. Bon, laisse-moi aller prendre une douche. Viens m'habiller parce que j'ai prévu un costume pour s'en aller. Non, ce n'est pas la peine. On n'a pas besoin que tu te laves, que tu t'habilles. Même si tu es dans son sac, il faut partir avec ça. Si vous avez remarqué l'émission, je te dis bien ça. Là. Viens seulement, il n'y a pas d'émission. Tu arrives, tu gardes le coin, tu gazes tout. Ça ne t'a même pas duré. Boum, on coupe la première partie, on part. Faut tuer, ce n'est pas la peine de poser ni de tout. Tu sais, dans la vie, il faut un témoin. Voilà ce que vous appelez la danseuse du cimetière. Oui, bonjour, les frères et sœurs. C'est ce qui s'est passé. Ils ont dit à mon frère de mettre le paquet. Donc, il a mis le paquet. Je ne sais pas pourquoi, pour cela, on doit renvoyer des gens. Bonjour. Voilà. C'était son témoignage. Même elle-même. Elle-même, j'ai eu à lui parler mal dans l'émission, malgré qu'elle a parlé bien devant. Parce que c'était le but. Heureusement qu'elle, elle était là le jour pour savoir qu'ils ont demandé à Eskeli de mettre le feu. Donc, bon, il ne va pas jouer avec moi. Sinon, après, j'ai fâché. Ah, mais mon frère, moi, je parle bien de toi. Pourquoi tu parles mal de moi? Mais c'était le but de l'émission. Non, c'est pas fâché pour dire ça. Ma question est quoi? Quand vous me dites de créer le scandale qui n'est même pas émission, pourquoi vous n'avertissez pas vos animateurs? Moi, je pensais que tout le monde était au point, que Yves était au point, que Annie était au point, que bon, est-ce qu'il va venir, il n'aura pas émission, il va mettre le feu, il va quitter là. Vous ne le dites pas. Et moi, je viens, je mets le feu, et Yves s'énerve, il quitte l'émission parce que je lui ai demandé, ouais, si là c'est diplôme de journaliste, si vous êtes plus intelligent, vous les Ivoiriens, vous les Africains, il y a animateur et il y a journaliste. Un animateur télévision, un animateur radio n'a pas besoin d'un diplôme de journaliste. Si il même avait gardé un peu son calme, si on avait bâti, il allait savoir que ma question n'était pas fondée. On peut être animateur radio, animateur télé, animateur maquillage, animateur baptême, animateur mariage. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme de journaliste? Ce sont des animateurs de télévision, ce ne sont pas les journalistes. Mais personne n'a réfléchi. Et lui s'est levé parce qu'on ne l'a pas averti. Moi, je connais très bien Yves. Je connais, même quand je suis arrivé, il m'a dit, Yves, tu te rappelles? Est-ce qu'il te rappelle? Mais Yves, je te connais très bien. Il va toujours goûter. Je connais Yves, je n'ai pas oublié sa vie. Annie, pareil. Annie, je la trouve tout excellent. C'est l'une des meilleures journalistes, encore une fois. Ou bien vous êtes jaloux, ou bien vous ne voulez pas laisser la nouvelle génération monter parce que moi, je vous connais très bien. Laissez les enfants là. Ils n'ont rien fait. Ils ont les familles. Ils ont les enfants. Ils ont les femmes. Ils ont les maris. Ils ont le loyer. Moi, je vis bien. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, on peut dire que déjà, je suis à la retraite. Mais eux, ils ont besoin de ça. Laissez la place aux jeunes. C'est pour ça que je veux témoigner devant l'opinion nationale et internationale. La toi, la RDI, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens. S'il vous plaît,
Yves Vima est un très bon journaliste. Annie a encore plus de talent et encore plus. Laissez les enfants là travailler. Ils n'étaient pas au courant. Ce que vous m'avez dit, vous devez le dire. S'il vous plaît, au nom de Dieu et à cause de Dieu, je lève la machette. Que Yves Vima et Annie reprennent du service. Si c'est un faux son, si on a mal entendu qu'ils n'ont pas été suspendus ou envoyés, vive Dieu et vive la Côte d'Ivoire. Sinon, vous-même, les gens de la direction, on se connaît. Qui vivra, vivra. Bonne soirée à tous.